Merde, le monde est plein. Comment je fais? Bon, bah j'ai plus qu'à attendre alors. Ouais, putain, j'étais dans une voiture volante. Yes, la Regalia. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui dans le monde de FeuFeu 14? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire des raids. Puis en vrai, ce raid est génial. Magnifique. Mettons notre plus belle tenue. Et allons-y. Putain, je dois attendre 5 minutes pour faire un raid, putain. Alors que moi je veux juste jouer. Je pourrais simplement prendre paladin, mais j'ai pas envie parce que je suis pas paladin. Je me dis que si je fais le raid dans ces conditions, ça doit être affreux. Quel plaisir. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? En cet instant, je vais changer votre vision du MMO à tout jamais. Bon allez, still doing gabble. Trop simple. Enfin, l'important c'est de pas bouger. Le reste, savoir si je joue bien, c'est autre chose. Franchement, je sens que je joue vachement bien. Là, franchement, s'il y avait un kiki metteur. Pouf! Pouf! Je suis vraiment dans le sommet du classement. Ils sont énormes. Ouais, je suis si petit que ça. Actuellement, l'expérience de jeu est plutôt enrichissante et amusante. C'est pas mal. Bon, allez, ça suffit des conneries. Hein. Alors, j'espère que les gens sont moins nuls qu'à la sortie. Du coup, les gens mouraient tout le temps. C'est très embêtant. Merde. Ça va, je m'en souvenais plutôt bien. Oh, j'espère que les gens sont moins nuls. Flanc gauche protégé. Merde, je sais plus d'où il tire. Et du coup, c'est trop tard. Non, quoique. Oh, c'est la face du sniper. Oh, c'est le sniper. Je suis bien là. Ouais, j'étais pas mal là. J'ai pas compris s'il faut donner son cul. Ce qui me semble peu probable. Cet homme réalise trop tard, qu'il était déjà fucké depuis le début. Je suis scandalisé de mon skill. Franchement, je m'impressionne. De jour en jour. Mais merde, je me suis trompé de côté. Là, c'est bon. Bah non, ça marche pas. Ou alors c'est le but, justement. T'es pas censé crever, t'es juste censé être mis au tapis et tu meurs pas. D'habitude, je meurs. Ouais. Ah, en fait, du coup, l'opération est peut-être un succès. Ah! Ça, c'est un peu le boss que je déteste. Parce qu'on se faisait tout le temps piner. C'était vraiment un boss qui était. Je sais pas. Les gens étaient pas prêts. Visiblement, les gens ici sont beaucoup trop prêts. C'est un peu comme si t'affrontais Kayle dans League of Legends. Tu vois, c'est un peu le même principe. Ah, c'est Kayle, regarde, tu vois. Hein, ah, c'était un Q-spell de Kayle, ça. J'avoue, je le refais, mais avec une toute petite mémoire de ce qui se passait avant. Du coup, j'ai quand même des doutes sur certains trucs. C'est moi qui viens de m'envoyer là-haut dans la gueule, cette pétasse. Paf! Ah, ça, c'est l'ulti de Kayle, ça. C'est fou, j'ai l'impression que le jeu est plus clonky. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression qu'il réagit pas bien. Tu vois? Alors, c'est juste que j'ai peut-être plus l'habitude de jouer, mais... Mais t'inquiète pas, Jacqueline. On la sauvera. Bon là c'est le moment où on s'amuse un peu moins. Là c'est les trash mobs. Donc bon, c'est moins rigolo. Je trouve, personnellement, que c'est un des boss les plus stylés. Déjà parce qu'il a une voix badass. Et surtout parce que bordel de merde. Il est grand le monsieur. C'est-à-dire, à mon échelle, cet homme est grand. Tiens, regardez-moi ces belles cabrioles. Hop hop bim bam boum. Ah, boum, badaboum. Incroyable. Oui. J'ai pris cher, non? J'ai tanké un coup qu'il fallait pas que je tanque, je crois. Ah oui. C'est quand même archi badass. Hein. Le mec, il crée une plateforme pour la casser. Il se rend pas compte des coups que ça vaut. Hein. Putain, c'est énorme, ça. Il croit quoi? Il croit construire un énorme édifice juste pour le casser. Il a cru quoi, lui? Impossible. Ça coûte trop cher. Voilà. Incroyable grand boss de fin. Piu piu. Piu piu. Ah. Pas piu piu. Voilà, piu piu cabriole. Là c'est piu piu sauter. Et là c'est piu piu machine. Ah merde. Il y en a qui sont morts quand même. Je suis sûr qu'ils font la même chose que moi. C'est-à-dire de la grosse merde. Ah ça c'est facile. Faut suivre la petite flèche. Et après tu te jettes sur la grosse flèche. Voilà. Mes explications sont archi logiques. Imaginez-moi en tant que chef de raid.
Ne vous inquiétez pas, je suis un chef de raid compétent, je vais vous expliquer la strat. Alors regardez, il y a un poteau qui se monte. C'est incroyable, hein. Et là où c'est coupé, bah tu vas pas là où c'est coupé, sinon tu meurs. La strat incroyable. Il y a des glaciers qui tombent. Et bah tu regardes pas les glaciers, sinon tu meurs. Ah je sais, tout de suite tout devient beaucoup plus cohérent. Bah là c'est la même chose, sauf que c'est les trois en même temps. Du coup tu prends la petite flèche, et puis le reste tu t'en fous. Parce que le pilier il est archi loin. Merde. Quel connard. Je vais mourir. Donc du coup suivez pas mes calls. Voilà. Là, en gros c'est les trois esprits qu'on vient de buter. Paf, ils ont décidé de se battre. Là c'est le moment du climax. Voilà. Et là on va prendre des dégâts en boucle. Là c'est l'healer où ils sont un peu paniqués. Mais ça va. Parce que voilà, elle ressemble à ça, elle est moche. J'arrive pas à vous la montrer. Mais voilà, elle est pas jolie. Ah, Ultima fait peur, voilà. Ah, regardez la tronche d'Ultima. C'est Final Fantasy, c'est un hiver coloré. Bordel de merde, elle est monstrueuse. Et là, heureusement qu'un homme nu est venu nous protéger. Alors, sincèrement, depuis que j'ai vu Ultima comme ça... Ah, c'est assez terrifiant. J'en fais des cauchemars la nuit. Voilà. J'imagine Ultima sous mon lit. Mais quelle terreur. Alors ouais du coup aussi, peut-être que j'écoute un tout petit peu la strat vite fait. Enfin, que j'écoute, que je regarde surtout. J'ai pas envie de mourir comme un caca encore. J'en ai marre. J'ai décidé de vous montrer que j'étais puissant et intelligent. Et voir toute ma puissance. Toute la puissance réside dans le fait de faire la LB alors que c'est pas à toi de la faire. Et c'est juste parce que c'est badass. Allô la police, ouais, allez c'est parti, on peut y aller hein. Oh c'est tellement badass je trouve. Il dirait tellement que j'appelle le FBI et qu'il faut partir tirer sur cette méga pute. Mais bon. Ah ouais, c'est l'heure du labyrinthe ça. Yes. C'est vraiment ça que j'aime avec les combats de boss de Final Fantasy. Il y a toujours quelque chose de très original dans le combat que tu verrais pas dans un combat de MMO. C'est ce genre de petit truc à la con, tu vois, genre hein, le fait qu'en plein milieu d'un combat, d'un seul coup, le boss te sort un putain de labyrinthe et que tu dois le faire en esquivant les AOE. Ah, c'est trop bien. Cherchez pas les labyrinthes au dos des paquets de Chocapic, j'ai jamais réussi. Hein. Avant de mourir, ouais, on va éviter de mourir à la fin. Hein. Vous savez, c'est quoi le plus important? Elle est morte.